Bonjour à tous et merci, gratitude, merci d'être là et de visualiser la vidéo. Alors, ça fait un bail que j'ai pas mis de vidéo en ligne parce que bon, j'étais occupée, j'étais même très occupée. Donc, je ne vous oublie pas. Merci d'être là en tout cas. Actuellement, je suis en train de relire donc le livre Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. En fait, c'est un livre que j'avais déjà lu il y a, je crois que c'était 3 ou 4 ans, je sais plus, ouais, plutôt 3 ans. Et en fait, c'est bien de relire en fait des livres qui nous a, comment dire, qui ont bouleversé nos vies, qui nous ont marqués en fait, que ce soit des livres d'éveil spirituel ou non. Hein. Parce qu'en fait, avec notre évolution sur le chemin de vie, on n'est pas la même personne qui a 3 ans. On n'est pas la même personne que lorsqu'on a découvert tel ou tel ouvrage. Donc, ben, je vous invite à relire des livres qui vous ont marqué, qui ont bouleversé votre vie, votre quotidien, des livres qui vous ont permis d'avoir une ouverture d'esprit. D'évoluer spirituellement ou non, qui vous ont permis de changer, d'avoir une autre vision de votre quotidien, une autre vision de la vie. Donc c'est comme un film qu'on a vu une première fois. Quand on va le regarder une deuxième fois, on a toujours l'impression d'avoir raté telle ou telle scène ou d'avoir mal compris telle ou telle réplique. Donc c'est exactement ça l'idée, c'est de relire un livre qu'on a déjà lu. Il y aura tel ou tel passage où on n'était pas vraiment concentré et qu'on va redécouvrir en fait à la deuxième ou à la troisième lecture. Donc voilà, je voulais vous montrer ça et vous parler de ça. Donc c'est exactement ce qui se passe avec ce livre-là. Il y a vraiment des passages que j'ai l'impression que j'ai même pas lu, alors que c'est exactement la même chose. C'est comme les quatre accords toltèques et le cinquième accord toltèque. Il paraît que c'est bien de lire ces livres-là tous les 5 ans. Alors, sans transition, je vais passer donc à trois tirages de cartes aujourd'hui. Je vais pas faire. Donc, il y aura trois choix, pardon. Mais je vais pas faire trouver des objets. Trouver des objets insolites ou non pour vous, voilà, ou des pierres ou des choses comme ça. Voilà, maintenant je vais plus me prendre la tête parce qu'en fait j'essayais de trouver des trucs chez moi, des objets qui avaient un thème en commun ou des couleurs différentes ou des choses comme ça. Moi j'ai plus envie de me prendre la tête en fait, donc ce sera un, deux ou trois simplement. Donc on va commencer avec le choix numéro 1. Donc, quels sont les messages? Donc, c'est un tirage général, hein. Intemporel comme d'habitude. Donc, quels sont les messages pour le choix numéro 1? S'il vous plaît, quels sont les messages pour le choix numéro 1? Toutes les personnes qui auront choisi. Donc, le choix numéro 1, s'il vous plaît, quels sont les messages? En tout cas, ravi d'être là et de passer un moment avec vous. C'est vrai qu'il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes, quoi, beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé alors, ça fait longtemps que t'as pas fait de vidéo. Donc ça fait toujours plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ok. Alors, ce que je vois, donc déjà, il y a des messages qui viennent et qui se confirment avec les différents oracles que je viens de tirer. Il y a deux fois, il y a plusieurs fois les mêmes messages qui se confirment et qui ressortent bien. On parle de tout ce qui est lien, connexion avec les autres. Le relationnel, c'est votre entourage, que ce soit. En fait, c'est ciblé, j'ai l'impression que c'est ciblé entre vous et les autres, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, c'est-à-dire familial, amical, etc. C'est ce qui ressort, hein, connexion avec les autres, les liens avec les autres, les liens qu'on arrive à tisser les uns avec les autres, les interconnexions. C'est ce que je vois, c'est ce qui ressort dans la première. Voilà. La première canalisation, les premières énergies. Alors, ce que je vois, c'est que au niveau des, ouais, c'est ce qui arrive. La première idée, c'est que on me dit que vous êtes tombé de haut. Est-ce que vous aviez considéré ou mis telle ou telle personne sur un piédestal? Est-ce que vous avez porté certaines personnes dans votre cœur et que vous êtes tombé de haut, vous avez été déçu, ou il y a eu un événement ou quelque chose qui a fait que au niveau relationnel, au niveau de votre entourage, vous étiez fait une idée sur telle ou telle personne et un événement s'est passé et vous êtes tombé de haut, vous avez été déçu, quoi, c'est ce que je vois. Vous avez été sincère avec telle ou telle personne ou un groupe de personnes, je ne sais pas, dans votre entourage, en fait, vous parlez avec sincérité, vous parlez avec le cœur, vous êtes quelqu'un de franc et en fait, le problème, c'est que vous pensez souvent que les autres personnes sont comme vous. Vous pensez que les autres qui vous entourent, vos amis, vos proches, des personnes de votre famille. Vous pensez que les gens ont les mêmes valeurs que vous et sont fiables et partagent les mêmes convictions ou les mêmes valeurs que vous, quoi. La sincérité, l'honnêteté, etc. Et les sentiments que vous aviez pour telle ou telle personne, on a l'impression que les autres personnes ne partagent pas les mêmes. C'est pas réciproque en fait, c'est pas autant réciproque, c'est pas au même niveau que vous, vous les portiez dans votre cœur. Ça ne veut pas dire que les personnes autour de vous ne vous aiment pas, ne vous considèrent pas, ne vous apprécient pas à votre juste valeur. Mais ce n'est pas d'égal à égal. C'est ça qui ressort, hein. En fait, ce qui nous disent là dans les messages, c'est que c'est à vous de vous affirmer et que c'est aussi à vous de. C'est pas parce que les gens ne vous considèrent pas de la même façon que vous le faites qu'ils sont mauvais ou moins bien, en fait. C'est que c'est à vous de vous dire, est-ce que moi je reste tel quel? Je reste moi-même avec mes valeurs, avec mes principes, et j'apprends en fait, j'apprends à accepter le fait que les autres personnes soient différentes de moi. Ça ne vous empêche pas en fait de rester sur votre ligne de conduite et d'être sûr de vous, hein, et de garder en fait votre ligne de conduite. En fait, dans la leçon, j'ai envie de dire, la leçon ou l'expérience qu'on doit en tirer, quand on est déçu de notre entourage, que ce soit famille, proche ou collègues, les personnes qu'on côtoie en fait, c'est qu'il faut avoir une ouverture d'esprit, apprendre la tolérance, accepter les autres tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts, pardonner, donc c'est un gros chapitre, hein, pardonner, s'accepter tel quel. Les uns les autres, ne pas essayer de changer les autres à notre image et ne rien attendre d'eux en retour.
C'est pas parce que toi t'es comme ça, c'est pas parce que toi tu le considérais d'une telle ou telle façon que lui il doit te rendre la pareille de façon égale. Non, parce que bah lui il a peut-être sa notion d'amitié à lui, elle est peut-être différente de la tienne et c'est pas pour ça qu'il est moins bien que toi. Voilà, c'est ça le truc. Ne pas critiquer, ne pas jeter la pierre à l'autre personne parce que il ne partage pas ou il ne te renvoie pas réciproquement exactement l'image que toi tu as de lui. C'est ça, bon, vous avez compris, hein, je ne vais pas tourner en rond. En fait, on vous demande dans cette étape, dans cette épreuve ou dans cette expérience, d'aller puiser au fond de vous, de faire un travail en solitaire à l'intérieur de vous pour comprendre ce cheminement-là, en fait. Parce que le fait que toi, tu sois déçu, peut-être que toi aussi tu as déçu d'autres personnes dans ton passé, dans tes amis, dans tes anciennes relations, parce que telle ou telle personne t'appréciait ou t'aimait vraiment, et que toi, tu n'as peut-être pas pu donner en retour l'amour que l'autre te portait. Donc tu n'as pas le droit, en fait. De quoi tu n'as pas le droit. Voilà, essaye de te mettre à la place de l'autre ou essaye de creuser dans ton passé, dans tes anciennes expériences, des fois où toi tu étais de l'autre côté de la barrière, où toi tu as pu décevoir. C'est comme le sujet du pardon. Il paraît qu'il faut. J'avais lu ou j'avais entendu un truc comme ça, c'est qu'il paraît qu'il faut pardonner 77 fois à la même personne. Ça veut dire que si toi, un jour, on a réussi à te pardonner, toi aussi, tu es capable de pardonner. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de te dire, de nous dire dans ce tirage-là. Donc on nous dit qu'il faut que tu équilibres les choses et d'être moins radical dans tes pensées ou dans tes actes ou dans tes relations en fait. Parce que toi aussi, tu as pu te blesser dans ton passé, tu as pu aussi décevoir des personnes de ton entourage, tu as pu aussi ne pas rendre l'appareil de façon réciproque, de façon égale en fait, d'égal à égal. Chaque relation est différente, les sentiments ne se guident pas. Tout ce qui est amitié, affinité, complicité, etc. Ne sont pas parfaites et ne sont pas ne peuvent pas être commandées en fait, contrôlées. Donc c'est à toi d'équilibrer en fait ton jugement, d'équilibrer ouais c'est ça ce que tu penses que les autres personnes que tu accuses ou que tu as envie de montrer du doigt parce que aujourd'hui c'est peut-être toi qui es déçu, qui souffre, mais d'un autre côté je pense que tu as dû aussi dans ta vie décevoir et donc, on te demande d'équilibrer les choses et de voir de prendre du recul sur la situation et d'équilibrer les choses parce que toi aussi, parce que personne n'est parfait, bien sûr, et que parce que toi aussi, t'as pu décevoir ou ne pas être à la hauteur des attentes des autres. On nous dit aussi que. Encore une fois, on nous parle d'équilibre, on nous parle d'essayer d'avoir une réflexion avec comment dire, garder la tête sur les épaules et garder la tête froide. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, je sais plus. Ouais. Pose-toi en fait, pose-toi et pose-toi les bonnes questions en fait. Pose-toi un instant, se poser physiquement hein, dans la matière, pour te poser les bonnes questions. Réfléchis avec sagesse, avec maturité, prendre de la hauteur et du recul par rapport à telle ou telle situation. Et puis pose-toi la question si toi t'as pas déjà fait ce que tu es en train de reprocher en fait. Équilibre les choses et vois en fait si toi t'as pas déjà effectué ça quoi dans le passé ou dans ton dans d'autres expériences quoi. Alors ensuite, on nous dit que à partir du moment où tu auras fait cette introspection, tu te serais posé les bonnes questions,
où tu te, ouais, tu t'auras fait le point par rapport à telle ou telle situation où tu peux ressentir de la déception, et ben là tu pourras retrouver le soleil, retrouver la lumière, te sentir mieux et te réconcilier en fait, pardonner, réconcilier et aller de l'avant. Parce qu'à partir du moment où on ne pardonne pas, ça veut dire que le dossier, l'affaire, la souffrance, cette blessure reste une plaie ouverte. Reste et restera une plaie ouverte. Pourquoi? Parce que t'as pas, tu refuses en ne pardonnant pas, tu refuses de clore en fait le sujet. Et bah, c'est un choix, hein, c'est un choix. Je dis pas que c'est facile, mais c'est en général c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que tant que t'as pas réglé le dossier, le sujet, la blessure, etc. Elle reste à la surface, quoi. Elle reste là et elle restera tant que tu n'auras pas fait le travail nécessaire pour aller de l'avant et tourner la page. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on nous dit. Mais en fait, si ce sujet-là sort, c'est que tu es capable, en fait, de faire ce travail-là. Parce que parfois, quand on est, ben en fait, quand on tire les cartes, tous les messages qui ressortent, ce sont des messages que tu es prêt ou prête à entendre. Sinon, ben, tu tomberais pas sur cette vidéo-là et sur ce sujet-là et le choix numéro 1. Voilà. Donc, tu es capable de faire le travail, c'est parce que tu es prêt ou prête à le faire, ou tu avais peut-être besoin d'entendre ce message-là. Dans cette étape-là de ta vie, puisque je rappelle que ce sont des tirages intemporels, donc tu peux tomber sur ce tirage-là dans 6 mois ou dans 1 an, hein, peu importe. Mais c'est un message qui est que tu avais besoin d'entendre, tout simplement. Donc voilà, on nous parle encore de connexion avec les autres, de liens, comment tisser des liens les uns avec les autres, comment se comporter les uns avec les autres. N'oublions pas que nous sommes tous humains. L'erreur est humaine. Donc tolérance, ouverture d'esprit. Et essayons de nous mettre à la place des autres, quoi, les uns et les autres. En fait, c'est ce que le rapport avec le livre, Le pouvoir du moment présent, c'est pour être toujours dans le moment présent, qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas dans l'action, c'est que et que la pensée essaye de prendre le dessus, le mental essaye de prendre le dessus sur la situation et de créer des doutes et de faire psychoter, c'est que tu te poses un instant, comme on voit dans cette carte-là. En fait, la carte de l'étoile, on voit qu'elle pose un genou par terre. Donc, elle se pose, d'accord? Elle n'est pas en train de marcher, elle n'est pas en mouvement, etc. Elle n'est pas, ouais, elle est posée, quoi. Elle a un genou à terre, elle est bien stable. Et en fait, tu te poses un instant et tu observes ta pensée. Ça veut dire que le mental va essayer de te polluer l'esprit avec des doutes, des craintes et avec le stress, tout ça. Donc pour évacuer ces pensées négatives, ces mauvaises pensées, puisque la pensée vient d'ailleurs, il faut faire un exercice d'observation de la pensée. Donc comme on sait que la pensée vient d'ailleurs, eh ben, on se pose, dès que tu commences à stresser, dès que tu commences à te poser un milliard de questions sur telle ou telle situation, que tu veux tout de suite maintenant telle ou telle chose, que tu commences à angoisser, ok, tu te poses et tu observes cette pensée, sans jugement, mais tu observes. Ça veut dire que tu montres à ton mental que tu n'es pas ton mental et que tu n'es pas cette pensée, que cette pensée vient d'ailleurs. Et que tu montres à ton mental en fait que tu es conscient que ces énergies négatives ne t'appartiennent pas. À partir du moment où tu fais cet exercice au quotidien, déjà cette énergie négative, cette pensée négative, elle se dissout, d'accord, instantanément. À force de le faire, c'est instantané. Elle repart de là où elle vient. Et tu reviens tout de suite dans l'instant présent. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Par exemple, c'est un extrait de ce livre.
Ensuite, on nous dit qu'à partir du moment où tu auras fait cet exercice, où tu auras fait le travail en introspection par rapport au relationnel avec les autres, hein, eh ben, tu retrouveras ta joie de vivre. C'est ce qu'on a vu ici, ça confirme bien la joie et le soleil. À partir du moment où tu auras fait ce travail personnel, ce travail sur toi, avoir une ouverture d'esprit, un travail de tolérance, d'acceptation de soi, d'acceptation des autres tels qu'ils sont. Donc l'amour inconditionnel, c'est aimer les autres sans condition, tels qu'ils sont. Et ben, tu retrouveras la joie en fait. C'est ça. Tu retrouveras la carte du soleil, tu retrouveras la bonne humeur, la lumière, une sensation de sérénité, d'apaisement. Voilà, on nous parle de. On confirme encore une fois avec l'introspection tout ce qui est guérison intérieure. On nous parle justement de cette guérison intérieure que tu es capable de faire ou de commencer à faire. Parce que on va dire que c'est le moment. Si tu tombes sur ce tirage et que tu es prêt à entendre ce message et que tu es prêt ou prête à entamer ce travail hein, de guérison intérieure. Tu as la clé en fait, tu as la clé et tu as tous les éléments nécessaires pour vivre cette expérience et de justement t'ouvrir au champ des possibles, puisque tu auras fait ce travail-là. À force en fait, quand l'univers te donne un exercice, comme je dis souvent un exercice de maths, il donne un énoncé. Ok. T'apprécies quelqu'un, un collègue, une amie, quelqu'un que tu rencontres, tu le mets sur un piédestal, t'es dans le monde des bisounours, tout est beau, tout est parfait, c'est une personne que tu aimes beaucoup, à qui tu donnes beaucoup, à qui tu offres beaucoup, etc. Et un jour, cette personne-là te déçoit. Bon, peu importe. Hein. Un jour, tu as besoin et l'autre personne n'est pas là, ou elle ne t'a pas apporté en retour ce que toi, tu aurais espéré, bref. Qu'il te donne, qu'il t'apporte, ou par la présence, ou par l'écoute, ou par quelque chose comme ça. Tu étais déjà dans l'attente. À partir du moment, déjà, c'est toi qui es à l'initiative de cette déception. Parce qu'à partir du moment où tu espères, où tu attends quelque chose des autres, déjà, t'as ouvert la porte aux déceptions. Clairement, t'as ouvert la porte à 70% ou à 80% de la déception. Tu seras déçu à 80%. Par rapport à la réaction ou de l'autre personne. Pourquoi? Parce que soit il ne va pas répondre à tes attentes, au niveau de tes attentes à toi, donc tu seras forcément déçu, soit il ne va pas répondre du tout, parce qu'il n'est pas forcément à ta disposition, il n'a peut-être pas le temps à ce moment-là, ou il ne se rend peut-être pas compte du besoin réel que toi tu avais, ou il a peut-être des problèmes perso, ou il a peut-être. Bref, il n'est peut-être pas. Donc là, on fait partie des 80% déjà de déception. Parce que quand tu attends quelque chose de quelqu'un, tu as plus de chances d'être déçu en fait. C'est pour ça qu'il vaut mieux compter que sur soi-même et ne rien attendre des autres. Et quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, pour cette personne-là que tu apprécies vraiment, c'est parce que tu l'as fait avec le cœur. Et si tu ne l'as pas fait. Sincèrement, sans rien attendre en retour, c'est là d'où va naître ta déception, parce que tu es à l'initiative de ça. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, quand tu offres, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que dans ton intention à toi, tu attends quelque chose en retour. Et donc la naissance de la déception, elle est déjà là en fait, avant même d'attendre le retour de l'autre, que l'autre te renvoie l'appareil. Donc si toi tu es à l'initiative de ça, l'autre il t'a rien demandé quoi. Il t'a pas dit, il t'a pas promis ou il n'a pas écrit noir sur blanc sur une feuille en disant je te dois tant, reconnaissance de dette ou quoi. Non, c'est toi qui es à l'initiative de cette déception, pas l'autre. Et en fait tu es en train de lui rejeter la faute alors qu'il t'a rien promis quoi. Donc tu es à la clé, donc tu as les éléments nécessaires pour justement avancer dans cette guérison intérieure et ça va justement améliorer les liens avec les autres personnes, avec soit la même personne ou les mêmes personnes qui t'ont déçu
Ensuite, dans le futur, à partir du moment où tu auras fait vraiment ce travail de guérison intérieure, chaque rencontre, chaque lien, donc, sera dans le futur une occasion de révéler l'extraordinaire qui est en vous, d'accord? La bonté, la tolérance, l'ouverture d'esprit qu'il y a en toi et de voir, en fait, tu verras après ce travail-là, tu pourras apercevoir la lumière en toi et en l'autre, en fait. Donc, voilà tous les messages que j'avais pour le choix numéro 1. Donc, on est tous créateurs et on est tous à l'initiative de ce que l'on vit, en fait. Toutes les expériences que l'on vit ou toutes les expériences que l'on vit, il faut savoir que nous sommes à l'initiative de tout ce qui nous arrive et de tout ce que l'on vit. Puisque nous sommes créateurs, nous sommes tous créateurs et créatrices. Donc à nous de faire un travail intérieur pour que le résultat soit différent en fait. Parce qu'à partir du moment où tu reproduis toujours le même schéma, ne sois pas étonné de trouver ou de vivre ou de, on va dire, subir ou de vivre ou de récolter le même résultat. Si tu reproduis toujours le même schéma, tu auras toujours le même résultat. Donc à toi de changer la donne, de voir les choses différemment, de déclencher une autre énergie dès le départ, puisque l'énergie est créatrice et que nous sommes créateurs de nos propres énergies, à nous de modifier dès le départ la donne pour que le résultat soit différent de ce que l'on a déjà provoqué. Alors, sans transition, nous allons passer au tirage du choix numéro 2. Elles sautent les cartes, hein. Les cartes sautent. Et tout à l'heure, les cartes qui étaient sautées, c'est celles qui sont ressorties après. Donc, alors, quels sont les messages pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Rien, ça c'est. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages pour le choix numéro 2? Quels sont les messages pour le choix numéro 2? Quels sont les messages pour le choix numéro 2? La carte du pendu, elle est sortie tout à l'heure et là, elle a sauté tout à l'heure et là, elle est ressortie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, quels sont les messages pour le choix numéro 2? Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2, et quels sont les messages pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on a? Alors, ce qu'on a à nous dans les énergies, donc pour toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 2, moi ce que je vois, c'est que on parle de réussite. Déjà, on parle de réussite dans plusieurs tirages là, dans les différentes cartes que je vois. On nous parle déjà de réussite. On nous parle aussi de joie.
Je vois beaucoup de joie, beaucoup, beaucoup de trucs festifs, beaucoup de liens avec l'amitié aussi. En fait, je vois que ouais, c'est comme des retrouvailles avec des personnes que vous aimez, que vous appréciez. Ça, je le vois aussi. En fait, il y a différents messages dans ce tirage. Alors, au tout début, là, ce que je vois, c'est que il y a des. Comment dire? Il y a des. Sur votre chemin de vie, en fait, il y a encore des choses que vous avez à découvrir. C'est ce que je vois. Il y a encore des choses, pas cachées, mais des zones qui ne sont pas encore exploitées. J'ai l'impression que là, ce que je vois, c'est que vous êtes avancé dans un domaine précis. Vous avez beaucoup de connaissances, pas vous maîtrisez un domaine, vous excellez dans un domaine, en fait. Vous vous développez, vous avez des dons dans tel ou tel domaine. Mais il y a encore des zones qui ne sont pas encore exploitées et qui restent encore exploitables. Voilà, c'est ça le truc. C'est-à-dire que tu n'as pas découvert encore tous les tenants et les aboutissants de tel ou tel domaine où tu excelles déjà, où tu as en fait as trouvé ta voie. Mais il reste encore des zones d'ombre à découvrir et qui sont encore intéressantes. C'est-à-dire que peut-être que tu as la sensation d'être lassé. De te dire, bon, ben, t'as l'impression de tourner en rond et de te dire, bon, ben, là, je m'ennuie un petit peu, j'ai fait le tour. Ben non, en fait, on te dit que t'as pas fait le tour et qu'il y a encore des zones que tu pourrais développer, exploiter. Il y a encore des informations ou des choses que tu peux apprendre et qui peuvent encore te faire évoluer alors que t'as l'impression que t'as fait le tour. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'ils nous disent. T'as peut-être l'impression de t'ennuyer ou de tourner en rond en ce moment. Mais non, on te dit que parfois les pauses sont nécessaires, même si tu as l'impression de t'ennuyer ou de stagner, ou de ne pas être épanoui à 300%. Mais on te dit que parfois, il faut laisser le temps faire, parce qu'on a aussi besoin d'un temps de pause de temps en temps, de prendre du temps pour soi, de se reposer. On n'est pas obligé d'être tout le temps dans le move, dans l'action, etc., d'avoir une vie trépidante. Il est nécessaire parfois d'avoir des temps de pause parce que l'univers sait ce qu'il prépare pour nous, sait ce qui est bon pour nous au moment où ça doit se passer. Donc si tu as un temps de pause, bah, c'est normal, ça veut dire que profite en fait, au lieu de voir le verre à moitié vide, essaie de prendre du temps pour toi, de te reposer parce que l'univers prépare quelque chose pour toi. C'est ça en fait. Moi, je vois la réussite. Hein. On avance vers la réussite lentement mais sûrement. Mais on te dit de ne pas désespérer. Parce que justement, même si tu as l'impression de stagner, d'avoir fait le tour de la question, eh ben, on te dit que non et puis que tu avances vers la réussite. Et que justement, peut-être que ce temps de pause-là est nécessaire pour te reposer, de prendre de l'énergie, de te ressourcer. De faire de la méditation, de prendre le temps en fait de faire tout ce que tu n'as pas eu le temps de faire ou tout ce que tu remets au lendemain. Fais justement, utilise ce temps-là pour faire des choses utiles parce qu'après tu n'auras plus le temps. C'est ça en fait qui disent quoi, que j'entends. En tout cas, ce qu'on nous dit aussi, c'est que après cette période de pause, ouais, c'est vraiment un temps de pause que je vois. Moi, ce que je vois aussi, c'est que c'est comme tu vas ressentir un peu le sentiment de renaissance. Il y aura un avant et un après. Et ce temps de pause est nécessaire pour te ressourcer, en fait, faire des siestes, etc. Parce qu'il y aura une annonce ou il y aura quelque chose qui. Il y a un événement qui va arriver ou qui arrive. Tu es peut-être en train de le vivre en ce moment, mais. Qui fait que, je sais pas, comme si on va parler de toi, ou on va entendre parler de toi, et il y a des personnes qui vont pas t'idolâtrer, mais qui vont venir à toi,
et qui auront hâte de te rencontrer et d'avoir un rendez-vous, un entretien avec toi. Il y a quelque chose comme ça, il y a un sentiment comme ça qui fait que on te prépare en fait à la réussite. Donc on te laisse un temps de pause, un temps de répit avant de que tu sois fatigué, quoi. Parce que tu vas être sollicité et tu seras fatigué par ça. On me dit que ce sera soudain et que tu n'y attends pas parce que tu as l'impression de t'ennuyer et que ça bouge pas trop en ce moment pour toi. Mais on nous dit que ça va arriver, que les personnes auront hâte de prendre un rendez-vous avec toi ou de passer du temps avec toi ou quoi. Mais je sais pas comment te dire, ils te regardent, les gens vont te regarder comme un être différent ou t'idolâtrer, un truc comme ça, quoi. C'est un peu ça l'idée. Toi, tu as envie de partir à l'aventure, tu es prêt en fait. Tu es prêt pour aller de l'avant, partir. Tu as envie d'action, tu as envie que ça bouge, tu en as marre que ce soit mou et qu'il se passe rien, pas grand-chose, on va dire. Tu as envie d'aller de l'avant, tu es prêt. Si on te dit de partir en voyage ou quoi, tu as envie d'y aller, quoi. T'es prêt à tout en fait pour que ta vie soit plus trépidante. Et ouais, t'es quelqu'un qui n'a pas trop d'attache et qui serait prêt à tout plaquer du jour au lendemain pour avoir une vie vivante, quoi, en fait. Pour ne pas avoir une vie plate. Ouais, c'est ça. T'as envie de commencer un nouveau projet, t'as envie de nouveautés. Tu serais prêt en fait à commencer de nouvelles choses, découvrir de nouveaux domaines, découvrir par exemple commencer des cours de guitare, un instrument de musique, commencer un nouveau sport, commencer une nouvelle activité manuelle de l'art ou une nouvelle formation, un nouveau domaine en fait. Tu as envie de nouveautés, tu as envie d'aller de l'avant, tu as besoin d'apprendre, t'aimes pas l'ennui, t'aimes pas t'ennuyer, t'aimes pas quand ça bouge pas. Et comme en ce moment t'es un peu bloqué dans cette situation où il se passe pas grand-chose, eh ben il faut que tu acceptes cette situation qui est temporaire, parce que tout est temporaire, rien n'est définitif. Profites-en pour te reposer ou de faire du tri ou faire des choses que tu ne fais pas habituellement, puisqu'après tu n'auras plus trop le temps en fait. Tu auras moins de temps pour faire ces choses-là. Donc apprécie ce temps de pause au lieu de dire que tu t'ennuies et que cette situation ne te convient pas. Alors ensuite, ce qu'on nous dit, c'est ça, c'est que essaye d'équilibrer ton temps, essaye de gérer ton temps aussi en fait. Tu peux pas tout le temps être en mouvement, tout le temps être dans l'action, tout ça. On te dit d'équilibrer ton temps entre des choses que tu remets au lendemain et des choses que tu pourrais faire tout de suite. Et au lieu de gaspiller ton énergie en te disant bon bah en ce moment il se passe rien, ça me convient pas, bah, au lieu de te dire ça, puisque la pensée vient d'ailleurs, essaye de mettre ton énergie, justement, concentrer ton énergie dans des choses utiles au lieu de te dire ça, par exemple. Les choses en fait on confirme, les choses sont en train d'évoluer et l'univers en fait il est en train de te préparer quelque chose que tu ne vois pas forcément, mais la réussite arrive, hein. Ouais, voilà, c'est ce qu'on nous dit aussi là, confirmation, la réussite avec la carte de la réussite incarnée, s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités, c'est ça. On nous confirme aussi des moments de joie partagés avec des amis, d'amitié. Peut-être fêter des anniversaires, tous les anniversaires de septembre. On sait que ce sont les bébés du jour de l'an, comme on dit. Noël, jour de l'an, puisque 9 mois après, il y a les naissances. Donc voilà, entouré d'amis, c'est ce que je vois. Vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Encore une fois, le mot joie, ça ressort bien, puisque je vois des moments de joie. Partagé en tout cas. Comme quoi il va se passer quand même des choses, même si vous avez l'impression qu'il se passe et que vous ennuyez peut-être, hein, ou que les choses sont en train de stagner actuellement. Je vois quand même de la joie dans votre tirage. On vous parle aussi de vous contenter des bonheurs simples, arrêter de vous focaliser
des trucs à sensation, des trucs extrêmes, il faut tout le temps que ce soit de vivre à 1000 à l'heure. Non, en fait, on vous dit que voilà, appréciez les choses simples, comme le repos, le calme, la sieste. C'est aussi des mots, sont des bonheurs simples, mais bonheur quand même. C'est ça. Prenez le temps, dans ce temps de pause, de vous aligner. Faites des exercices d'ancrage, des alignements, etc. pour justement pour vous recentrer. Prenez beaucoup d'énergie pendant ce temps de pause pour pouvoir vous préparer à la suite. Ça vous permet d'optimiser votre temps, optimiser votre énergie pour pouvoir mieux vivre ce qui arrive dans votre vie. C'est ce qu'ils vous disent là aussi. Parce que ce qui va arriver, ce sera intense et ce sera peut-être pas facile. Je dis pas vous y serez en difficulté ou quoi, mais en fait vous ne vous y attendez pas et on vous parle de réussite qui arrive, mais vous ne vous y attendez pas. Donc préparez-vous justement maintenant à recevoir quelque chose de lourd, hein, mais en positif. Hein. C'est ça, on vous parle de quelque chose d'une merveilleuse créativité qui va arriver. Il y a quelque chose de beau et de grand qui va arriver dans votre vie. On parle de réussite. Donc, optimisez votre temps ici et maintenant, votre temps présent, hein, le présent. Maintenant, en fait, optimisez votre énergie pour pouvoir bien accueillir ce qui arrive. Ce qui arrive, ou peut-être que c'est déjà là actuellement pour vous. Mais voilà, faut pouvoir l'encaisser et gérer les choses quoi, au mieux. Ensuite, maintenant, tirage numéro 3. Quels sont les messages pour le choix numéro 3? Toutes les personnes qui auront choisi le tirage numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le choix numéro 3? Alors, déjà, ce qu'on nous dit, on nous parle de choix, de chemin, de voie. Là, c'est clair. De décision à prendre, en fait. C'est ce qu'on voit dans le. C'est ce qui ressort, hein, dans les énergies, dans le tirage. On nous parle de cheminement, de décision personnelle, de voie, de chemin, de choix personnel, de décision personnelle, de. Ouais, c'est ça, c'est d'avancer, de. Voilà, de destinée, tout ça. Alors, au niveau des énergies, là, ce que je vois. Moi, je vois que vous posez beaucoup de questions, il y a des choses qui vous travaillent actuellement. Ça va pas comme. Ça va pas comme. Vous n'êtes pas en paix en fait. Là actuellement, vous n'êtes pas au top de votre paix intérieure. Vous posez beaucoup de questions. Il y a des événements extérieurs de votre vie que vous n'arrivez pas à maîtriser. Et donc, ça fait qu'à l'intérieur de vous, vous posez beaucoup de questions. Ça part un peu dans tous les sens. On ne sait plus où trop donner de la tête en fait.
vous sentez pas bien, vous sentez même intérieurement, quoi, au niveau de l'estomac, au niveau du ventre. J'ai l'impression que vous avez souvent la boule au ventre et il y a des choses qui vous prennent la tête, en fait, actuellement, parce que vous posez beaucoup de questions. Et ouais, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas dans une super période. C'est la première chose qui ressort. En fait, j'ai l'impression que vous ne savez pas où aller, en fait. Vous ne savez pas où sur votre chemin de vie, vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous avez plusieurs choix, plusieurs possibilités, mais vous ne savez même pas ce que vous voulez vous-même et vers quoi vous voulez aller, vers ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Le chemin, vous ne savez pas quel trop. Oula, truc pas trop français. Vous ne savez pas trop quel chemin choisir. Ouais. Alors, on vous dit, c'est un peu comme le papa qui tape du poing sur la table, on dit eh, stop, maintenant arrête, d'accord? Arrête de poser un milliard de questions. Un milliard de questions, arrête de te prendre la tête. Pose-toi, d'accord? Arrête de poser des questions. T'as l'impression que c'est comme un professeur ou quelqu'un qui est plus mature et qui a plus de recul et qui quelqu'un un sage. En fait, c'est un sage qui te parle et qui te dit maintenant stop, quoi. Stop, d'accord? Arrête de stresser, arrête de te poser un milliard de questions, pose-toi et prends tes décisions, agis en adulte en fait. C'est comme un petit coup de pression. Voilà. On te dit arrête d'agir comme un enfant et agis, prends tes responsabilités, réfléchis pour faire le bon choix, un choix qui est bon et juste pour toi. C'est un peu ça le discours. C'est assume. Arrête de te plaindre, arrête de pleurnicher et faut que tu avances, mais dignement et avec maturité, quoi. Je sais pas comment dire. Ouais, arrête d'agir comme un enfant et puis quand faut y aller, faut y aller, quoi. C'est un peu ça le message. Alors, moi, ce que je vois, c'est que vous avez peur. En fait, vous êtes divisé en deux à l'intérieur de vous parce que vous avez envie d'y aller, mais vous n'avez pas envie d'y aller. Ça veut dire que, voilà, j'ai envie d'aller de l'avant, ok, il faut que... C'est ça qui fait que vous hésitez, vous êtes dans l'hésitation parce que y a une partie de vous qui vous dit, ok, j'y vais, je fonce. Okay, je commence ce nouveau job, je découvre une nouvelle région, j'accepte le poste, j'accepte cette mutation. J'accepte, je commence cette nouvelle relation, je pars à l'aventure, je vais vers l'inconnu, mais d'un autre côté, finalement, c'était pas plus mal, hein. J'étais bien là où j'étais et j'y vais un peu en traînant des pieds où je trouve des excuses pour ne pas y aller, quoi, pour ne pas aller de l'avant. En fait, c'est ça le truc. Et c'est le comportement, c'est cette attitude que le côté un peu papa, c'est ce que je disais tout à l'heure, paternel, qui dit bon maintenant tu vas arrêter de jouer l'enfant quoi. Oui non, j'hésite. C'est un jour oui, le lendemain non. Et en fait c'est ça que le côté paternel, que le tirage, il essaie de vous dire, de vous faire comprendre, c'est qu'il faut à un moment donné, il faut arrêter de jouer l'enfant et puis prendre une décision quoi. Mais quand tu prends cette décision, vas-y pleinement, arrête de trouver des excuses, c'est ça, et d'hésiter sans cesse. On nous dit en fait que tu vas commencer comment dire, un nouveau chantier, j'entends chantier, tu vas commencer un nouveau domaine, un nouveau chantier, tu vas commencer à recueillir tous les éléments. Tout ton savoir et tout ton savoir-faire, tu vas ressortir les anciens dossiers, les anciennes valises, les anciens sacs de ton ancienne expérience, tes anciennes expériences professionnelles, personnelles, etc. Humaines aussi. Tu vas tout ressortir et puis tu vas tout dépoussiérer et tu vas tout remettre en marche, quoi. Tu vas tout. En fait, j'ai l'impression, ce que je vois, c'est que tu vas ressentir des anciens ustensiles que tu as déjà utilisés. Ça veut dire que c'est pas vraiment un domaine que tu ne connais pas. C'est quelque chose que tu connais,
mais que tu avais rangé dans une ancienne valise ou dans un vieux carton que tu avais stocké à la cave, et ben tu vas ressortir tout ce vieux matos, et tu vas le dépoussiérer, tu vas le nettoyer, etc. et tu vas t'en resservir en fait. Et c'est peut-être ça qui te fait hésiter parce que oui, mais non, mais bon, c'est du vieux matos, mais maintenant c'est plus comme avant. Et puis ils n'utilisent pas le même matériel, peut-être de la même façon, et peut-être que je vais pas réussir, et peut-être que je suis has-been, et peut-être que ce sera, ça va pas se passer comme moi je pense, et que en fait tu te poses trop de questions par rapport au passé et par rapport à l'avenir. Tu as un pied qui est resté dans le passé avec tes expériences, etc. Et tu as du mal à te projeter dans le futur parce que les questions et les doutes de ton passé se projettent dans le futur. Ça, c'est la définition du mental. Le mental n'existe pas dans l'instant présent. C'est ce qu'ils disent aussi dans le livre. C'est que à partir du moment où tu es dans l'ici et maintenant, le mental n'existe pas. Le mental se dissout. Le mental existe purement et simplement à cause des réussites et des blessures et des échecs du passé, de ton expérience du passé que tu projettes dans le futur. Ça veut dire que quand tu as échoué dans tel ou tel domaine ou qu'une expérience s'est mal passée dans le passé, toi tu vas la projeter dans le futur. Donc ton mental va te dire non, 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 n'y va pas parce que c'est dangereux. Non, non, n'y va pas parce que tu vas souffrir. Non, non, n'y va pas parce que tu te souviens pas, la dernière fois ça s'est très mal passé. Et en fait, ça, c'est la définition du mental, c'est ça en fait. C'est comme ça que le mental te manipule. Et toi, tu es en plein dedans, en fait, dans cette situation. On te dit d'équilibrer le pour et le contre, de voir ce qui est bon, ce qui est mauvais, de voir ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi, de faire le tri, en fait. Fais le tri dans tes idées, fais le tri entre ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi, fais le tri, équilibre les choses. Parce que j'ai l'impression que tu mélanges un petit peu tout et justement on te parle de tri et de voir les choses avec sagesse. Voilà, on parle de sagesse. Alors on te dit de te poser, on te dit de faire le pour et le contre, de prendre une feuille par exemple, une colonne pour, une colonne plus, une colonne moins pour le contre et tu listes, voilà. Ce que j'aime faire, ce que je n'aime pas faire, ce qui me convient, ce qui ne me convient pas ou plus, ce que je suis prête à accepter, ce que je ne veux pas accepter, les erreurs que j'ai produites dans le passé, des choses que j'ai acceptées ou que je n'aurais pas dû accepter. Voilà, en fait, on te conseille de faire le tri en étant honnête avec toi-même, en fait. Donc, fais ce tableau de plus et de moins seul. Et puis après, tu jettes la feuille ou quoi, mais sans te dire que quelqu'un va tomber sur ta feuille ou lire ce que tu as vraiment au fond de toi. Sois honnête, voilà, mets-toi à nu en fait. Mets-toi à nu par rapport à ce tableau et cet écrit de plus et de moins. Pour pouvoir mieux y voir et pouvoir prendre ta décision et choisir le chemin qui te convient vraiment, la bonne voie pour toi. C'est ça. On te reconfirme encore une fois qu'il faut que tu fasses ce tableau ou ces choix ou ce tri seul, en introspection avec toi-même, que toi et toi seul peux le faire, est capable de le faire, et que les conseils des autres, des uns et des autres, ne t'apporteront rien, puisque toi et toi seul, c'est ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi, avec du recul, avec voilà, le fait de se mettre à nu en toute sincérité, c'est que comme ça en fait, et en prenant le temps. Pas une feuille, un stylo, en bâclant l'exercice. On te dit de prendre le temps, de le faire seul et d'aller creuser à l'intérieur de toi tes vraies ressources en fait. Dans ton vrai toi, ce qui te convient, ce qui ne te convient pas, et le tri et les choses. Et c'est comme ça que tu arriveras à ne plus te poser un milliard de questions et ne plus hésiter et savoir ce qui. Et pouvoir en fait faire ce choix. Choisir le bon chemin, la bonne voie pour toi. On me dit que tu as la force nécessaire, tu as les capacités d'aller de l'avant et de faire les bons choix qui te correspondront en fait.
Tu doutes beaucoup, mais peu importe le domaine que tu choisiras, tu auras la force nécessaire pour aller de l'avant et de t'adapter en fait à la situation ou au chemin que tu auras choisi. Alors, on nous parle de, encore une fois, donc de chemin, de voie. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif, c'est ça. Il faut que tu sois sincère avec toi-même pour justement hisser le plan, c'est-à-dire que tu avancer sur ta destinée, quoi. C'est ça, hein. Et justement, la voie que tu auras choisie, elle sera forcément positive. Pourquoi? Parce que ce sera une expérience de plus, parce que ça va te permettre de grandir, d'apprendre et puis de faire évoluer ton âme. Donc tout est parfait et juste. Il suffit d'arrêter de se polluer l'esprit, le mental, bah avec les pensées, les énergies négatives et les ondes négatives que le mental t'inflige, quoi. Voilà, là on parle de. Ouais, c'est fou parce que, encore une fois, on parle des lourdeurs actuelles que tu ressens. On te demande de lâcher les lourdeurs de la vie. C'est écrit, hein, un vent de liberté, lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Voilà, les lourdeurs de la vie. Et ça, c'est la carte, un vent de liberté. C'est écrit, hein. Donc, on parle de lourdeur, c'est ce qu'on avait vu au début, en fait. Tu poses beaucoup de questions, t'es pas bien et tout, à l'intérieur de toi. Et puis, on nous dit que tu as la puissance nécessaire, tu as la force nécessaire, en fait, pour illuminer ton existence sur ton chemin de vie et sur ton avancée. Puisque rien n'est définitif, tout est temporaire. Donc, cette période où tu te poses des questions, où il y a des sensations de lourdeur, c'est ce que je te disais au niveau de l'estomac, etc., et au niveau de la tête, quoi. Tu te poses beaucoup de questions, tu as mal au ventre, etc., tu peux ressentir des boules dans le ventre et tout. Et eh bien en fait, toi, tu as la puissance, tu as la force nécessaire pour illuminer et briller en fait. Tu as un soleil, n'oublie pas que tu as un soleil intérieur que tu dois faire briller et que tu dois entretenir la flamme qu'il y a à l'intérieur de toi-même. Parce que si tu te laisses tirer vers le bas, si tu te laisses guider par ton mental et par les énergies négatives qu'il t'inflige, eh ben, tu vas couler, quoi. C'est un peu ça l'idée. Tu peux pas avancer sur ton chemin de vie si tu es constamment tiré vers le bas par des énergies négatives et si tu te laisses polluer par le mental. C'est ça qu'on essaie de te dire. C'est à toi de rebondir et de renaître et d'aller de l'avant pour. C'est à toi de faire le travail, toi et toi seul, de faire le travail pour aller de l'avant et personne ne pourra le faire à ta place. Encore une fois, c'est le message d'arrêter de faire l'enfant en essayant de se cacher par rapport à telle ou telle situation. Parce que même si tu te caches, tu auras toujours cette période de doute et d'incertitude et de lourdeur, ce sentiment de lourdeur, parce qu'il faut aller de l'avant et puis il faut prendre des décisions et puis assumer, quoi. Alors, on va passer à la conclusion. Alors, si on est déjà tombé sur cette carte, on en prend une autre comme d'habitude. Alors, carte numéro 2. Alors, savoir que votre écoute, votre sourire, votre tendresse peuvent rendre la vie de ceux qui vous croisent plus facile est plus essentiel que vous ne pouvez le penser. Magnifique carte. Très beau. Même les dessins, les couleurs, tout ça, c'est magnifique. Moi, j'aime bien. Alors, je relis carte numéro 2, savoir que votre écoute, votre sourire, votre tendresse, donc écoute, sourire, tendresse, savoir que votre, donc la vôtre, hein, ces énergies ou ces intentions que vous émettez,
Donc l'écoute, votre sourire et votre tendresse, on est d'accord que ce sont trois choses qui sont gratuites, que l'on peut donner gratuitement. D'accord? Donc l'écoute, le sourire et la tendresse, ce sont des choses qu'on peut donner avec le cœur, avec sincérité et gratuitement. Donc ces trois choses-là, l'écoute, le sourire et la tendresse, peuvent rendre la vie de ceux qui vous croisent plus facile. Et c'est plus essentiel, c'est encore plus essentiel que vous ne pouvez le penser. C'est-à-dire que souvent, c'est ce que je dis, c'est que essayez de faire une bonne action par jour, minimum, minimum une bonne action par jour. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Donc c'est vraiment la carte qui peut bien illustrer cette idée. C'est que dès que tu te lèves le matin, tu ressens de la gratitude. Moi, c'est ce que j'essaye de faire tous les matins et tous les soirs, ressentir la gratitude pour chaque jour, donc dès le réveil et tous les soirs. C'est un minimum de reconnaissance, c'est une habitude aussi de faire ça. Et bien en fait, c'est ce qu'ils te disent dans cette carte, c'est qu'à partir du moment où tu sors de chez toi, ou même en étant chez toi, quand tu as quelqu'un au téléphone, etc., essaye de faire une bonne action par jour, minimum une action par jour, une bonne action, et bien en offrant ton écoute, en offrant un sourire, en offrant de la tendresse à toutes les personnes que tu peux croiser, à toutes les personnes à qui tu parles, aux personnes à qui tu envoies un message, les ondes qui émanent de toi. Si tu arrives à diffuser donc ton écoute, donc écoute active, on est d'accord, un sourire, de la tendresse à toutes les personnes que tu croises toute la journée, tes collègues, les clients, tout ça, les fournisseurs, tout ce que tu veux, tes enfants, ton compagnon, je sais pas moi, toutes les personnes que tu peux croiser dans ta journée, eh ben ça rendra en fait le quotidien plus sympa, plus agréable pour les personnes que tu vas croiser. Donc ça peut aussi égayer leur journée. Et faut pas croire que ce sont des choses qu'on... Faut pas sous-estimer ces actes-là. Pourquoi? Parce qu'elles vont venir du cœur, parce qu'elles sont sincères à partir du moment où tu les appliques, elles deviendront des habitudes. Et donc c'est beaucoup plus essentiel, c'est beaucoup plus, ça a beaucoup plus de valeur que toi tu peux le penser. Voilà, bon courage à une caissière ou à quelqu'un qui fait le ménage. Voilà, un sourire, une écoute, parce que souvent les personnes sont seules et ils n'ont pas forcément d'épaule ou de personnes à qui parler, à qui se confier, etc. Et rien que le fait d'offrir ça, une de ces trois choses, ou même les trois, ce sera encore mieux, au quotidien, à toutes les personnes que tu croises, ben ça peut donner beaucoup de baume au cœur, aux personnes que tu croises. Donc merci à cette carte, parce qu'elle est juste magnifique, quoi. Donc je vais relire, parce qu'il faut qu'on la prenne par cœur, mais qu'on applique. Le but, ce n'est pas de la théorie, seulement c'est de la pratique. Donc, carte numéro 2, savoir que votre écoute, votre sourire, votre tendresse peuvent rendre la vie de ceux qui vous croisent plus facile et plus essentielle, et plus essentielle que vous ne pouvez le penser. Nous sommes tous créateurs et créatrices, donc à nous de savoir quelles ondes on a envie d'émettre de soi-même. Et qu'est-ce qu'on a envie de diffuser autour de nous, autour de soi? Donc, essayez de faire minimum une bonne action par jour. Et si on s'aidait tous les uns les autres, et si on tendait tous la main les uns aux autres, hein, au quotidien, ben, il y aurait beaucoup plus d'humanité et de solidarité entre nous, au lieu de faire le choix de la compétition, de l'ego, et d'être toujours meilleur que les autres, et d'écraser les autres pour être au-dessus. Faisons le choix justement de tendre la main, mais au quotidien, quoi. Au quotidien et dans nos habitudes, dans la matière. Ouais, vraiment, de changer nos habitudes pour que ça devienne automatique. Parce qu'on est tous un, et qu'il faut sortir de tous les groupes d'appartenance, parce que tout ce qui est groupe,
C'est pour manipuler les gens et les monter les uns contre les autres. Donc si on sort de tous les groupes d'appartenance, que ce soit religion, politique, n'importe quel groupe, des groupes, des clans, et ben ça permet, ça nous permet à tous d'être solidaires et d'être unis. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. Je vous remercie tous. Donc merci, gratitude à tous et à toutes. J'espère que les tirages vous aident. Et en tout cas, écoutez tous la conclusion, parce que pour moi, c'est un message qui nous parle à toutes et à tous. Voilà, à bientôt. Merci à tous et prenez soin de vous. Merci, peace and love.